craché dans le Nil. On est dans une écluse sur le Nil en Égyptas. Non mais tu me dégoûtes. Tu vas voir, ça va mousser fort. Il n'y a pas de ceinture. Non, non. Je peux avoir les chips. C'est une miniature. Tranquillement, demain matin, demain, 14 matin. 7h de bus. Où sommes-nous, sur un bateau ou dans une éclipse? Et surtout, regardez à gauche, c'est le temple Ramsès II. C'est pour me tuer la constipation. I don't speak French. Viens, on va traquer. En gros, on retourne au Caire, là où on avait atterri la première fois. On va mettre un coup de pied dedans et ça va. C'est terrible. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut m'expliquer clairement? Là, on attendait les flics. Répéter une troisième fois, Flavie. On est arrivé au Caire et on mange dans un resto avec vraiment, il y a full. Attention Théa, tu manges. C'est bon? Oh, ouais. Ça ressemble à quoi genre, comme goût connu? En fait on dirait un houmous. C'est bon quand même? Oh, c'est bon? Ouais, c'est vraiment trop. Ok. Ça c'est du caviar d'aubergine non? Ouais c'est ça. C'est Andreas. Tu vas tenter les légumes ou pas quand même? On fait quoi encore? On est où là? On est où là? Bon, on est en Égypte avec Civic. Ça a l'air bon par contre ça en vrai. C'est bon. On est à quel étage? On est au 12e. Ok. Ouais. Ah nickel, happy. C'est ciao. Mais c'est pour nous tuer ça. Elle nous a claqué au nez là. C'est ça, mon 17ème gros, raté. Lele. Ah c'est bon. Les gars vous ratez pas l'entrée cette fois-ci, on y va tout de suite là. Vite. Go. Oh y'a un nightclub. Health club and pool. Oh y'a une terrasse. Venez tout à l'heure, on y va pas? Bah ouais. Non, c'est là, jusqu'à 53 gros. 38, c'est écrit là, 38. Gros, ça n'a aucun sens. Nous, on est 38 et vous 39, c'est ça? Ouais. On est vraiment collés, les gars. Ok. Bah, tout à l'heure. Ok. Attends, si c'est chez eux, c'est fou. On peut pas, c'est fermé, mais c'est sûr, c'est chez eux. Ah oui. Oh, on a une terrasse, Fab. On a des bouteilles d'eau. Waouh, oui, par contre, c'est joli. Avec vue sur le Nil. Oh, je crois que c'est du bol. Ah ça c'est fou ça. Et du coup voilà, chambre basique. Et la salle de bain. Mais c'est sûr c'est chez eux. Maxime. Mais c'est fou. Putain merde. Maxime, on peut directement ken. Mais c'est... Salle de bain. Ah, salle de bain, elle est bien la salle de bain. Ouais, elle est grande. Hein. Oh, je vais pouvoir me rincer le cul enfin. Oh, c'est pas. Mais de quoi tu penses? Mais c'est pas possible. Non, non, c'est... Comment? C'est pour ma cul. C'est pour ma cul. C'est pour le chute. Mais c'est bon. Votre chambre, elle est comment? Allez, ça va. Elle est bien. Bah, elle est éclatée au sol, hein. Elle est éclatée au sol. Bah ouais. Bah, comme vous. Bah, à toute la ref. À toute ma ref. Allez, à toute la ref. Ah, mais c'est trop drôle. C'est pour me tuer. Bien, voyons, on va visiter. Venez, on trouve une solution pour ouvrir cette porte. Par contre, faut qu'on trouve la clé. Mais viens, on leur demande mais de oui. Ah oui, mec, c'est bien. On leur demande de l'ouvrir. On a des gens qui sont la nuit, j'arrive, je me glisse dans le lit de Fabien. Je veux dire, la nuit, j'arrive, je fais des blagues. Ah oui. Ça fait 30 secondes que je suis dans votre chambre. On est là, le lit. Bon, on a sauté dessus. J'ai demandé. Non. Mais c'est pour me tuer cette climatisation ou quoi? Sandra, il va ouvrir cette porte, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Attends, je vais demander à quelqu'un. Quelqu'un. C'est pour me tuer, y'a personne ici. You have the key of this door? Of the door between the two rooms. Zero, call zero.
Zero. Cool, call zero. Appel de zéro. Ok, perfect. Thank you. On va call zero tout de suite. Tu t'es pris pour Lara Croft là. Hein. Ah, attends, meuf. Tu croches. Ouh. Est-ce que tu crois vraiment qu'elle va y arriver? Mais bien sûr, mais attends, mais moi je crois en Flavie là. Allô? Je sais pas, dans les films. La clé. On va juste casser la clé. La clé. Call zero. Mais comment je dois expliquer ça? Mais t'inquiète, moi je vais expliquer. Il est où le haut-parleur? Il est où le haut-parleur? Il y a pas de haut-parleur là. Si, vraiment, c'est. Explique. Allô? Explique. Yes, we are with friends and we have two communicated rooms and we was wondering if it was possible to have the key between the two doors. Je me suis pour me tuer, c'est quel numéro? 1239 et 1238. 1238 and 1239. Okay, perfect, thank you very much. We've got the keys! Mais c'est pour me tuer, c'est accent anglais ou quoi là? J'ai regardé Friends toute ma jeunesse. Mes chaussures sur le lit, par contre, je vais casser la gueule. Putain, pardon, excuse-moi. Maman. Il me lance, on te dit. C'est tout dit, les gars. Tu crois qu'il va venir ou pas? Mais il n'y a pas que lui, c'est. Il barre, c'est qu'il va venir. C'est Dar. Ah. C'est une grosse merde de Flavie. Mais moi, j'ai jamais kiffé trop Flavie. Hein. Flavie, j'ai jamais trop. Tu sais que je suis meilleur pote avec elle par dépit. Hein. Ouais. Par défi, par défi. Par défi. Bah, je pense que j'ai. Mais il y a 12 étages, tu peux sauter. Ouais, d'accord. Elle va me faire foutre. Elle me fait enculer, tout sympa. Hello. Yes. Non. Mais c'est pour. Non. Thank you. Mais c'est pour nous. Je suis très. Bah bienvenue dans notre chambre. Mais non, mais c'est bien. C'est incroyable. Bah d'accord, mais ton pote fait tomber. Ça m'a saoulé. Attention. Non. Ciao l'Egypte. Toujours. Je n'arrête pas ce plan tant qu'on a pas. Bon, enfin, la vie, tu peux te coucher. Hein. Ouais, il y a trop d'eau, ouais, parce que j'ai encore temps. De la merde. C'est trop. Ça commence à être long, hein. Toujours trop, là, tout le temps. C'est la pire, c'est quand on a eu d'autres questions, c'est vraiment. Let's go. La vie, elle ignore bête. C'est pour la tuer, cette pirouette. Mais on dirait une momie. Ah oui. Ah oui. On est dans le thème, hein. Momie d'Egypte, hein. Ça fait du bien de prendre une petite douche. J'ai chier. Ok, mais ça c'est... On est super content parce que vraiment c'est une vraie difficulté ici. J'ai l'impression, et c'est même pas que j'ai l'impression, mais que je ressemble à une grosse schlagos depuis le début du séjour. Donc, vas-y, je vais essayer de faire un effort. Enfin, ça me fait plaisir, quoi. C'est vrai que là, depuis un petit moment, t'es un peu la schlag du séjour. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ah, c'est terrible. Ce soir, du coup, le programme, c'est que on va au café des miroirs, il me semble. Mais tu m'as pas dit à ce point-là, tu m'as jamais montré, montre. Mais faut que tu mettes urgentement de la crème, hein. Ouais, j'en ai mis hier. Mais non, mais faut en mettre matin et soir, hein, là. Ah ouais. On dirait que je suis sa daronne. Bref, on va au café des miroirs, je sais pas précisément ce que c'est. Et ensuite, on va manger dans un restaurant local, comme on a fait ce midi. Je vous ai pas trop montré ce midi parce que, je vous avoue, on est arrivé, c'était un petit peu compliqué, quoi. Enfin, c'est vrai que le Caire, et même l'Égypte d'une manière générale, c'est un pays qui est très pauvre, faut le rappeler. Ça nous a fait tous un petit choc quand on est arrivé ici, quand on est passé au milieu de la ville. Nous, on n'a pas l'habitude de voir ça dans notre quotidien, mais c'est aussi la réalité du monde et ça fait du bien de s'en rendre compte et de le remarquer. Mais du coup, on n'était pas du tout à l'aise, enfin, filmer et tout, et je pense que vous pouvez comprendre et c'est normal. Tout ça pour vous dire que ce soir, on remange dans un restaurant local et que je pense que je ne sortirai pas ma caméra. Voilà, je sais pas trop comment je vais m'organiser pour filmer ici parce que je vous avoue que les sorties en ville, je vais éviter de sortir ma grosse cam, je vais éviter de filmer, c'est pas vraiment. Ni respectueux, ni le mood adéquat pour cette ville. Donc, on va s'adapter à la culture parce que c'est nous qui voyageons, donc c'est à nous de nous adapter au pays et pas l'inverse. C'est une des premières règles quand tu voyages, c'est que voyager, c'est s'adapter au pays dans lequel tu vas. Et donc, on vient en Égypte, on s'adapte à l'Égypte. Vous me tuez la crème du Vic que j'utilise depuis deux jours. Bah du coup on doit aller lui rentrer. On vient de rentrer de notre petite soirée et tout. Clairement moi j'y vais en chaussettes. Vraiment on n'est pas sortable.
Pas de lait, des gens. On va au 14. Enlève et appuie. Non, non. Oh non. On arrive en bas, on arrive en bas. On a son bébé. Elle va adorer Vivi. T'as la crème? On a oublié la crème. T'es sûr celle-là? Non. Non, je jure, il y a rien de crème. Mais qu'est-ce que tu as sur la tête? Petite astuce de voisin, n'oubliez pas de mettre votre petite Charlotte pour prendre votre douche. À côté de la... Tu aimes pas? C'est que tu sais à quoi tu me fais penser? À Bécassine. Vous êtes où? Au 19, nous. Non, au 12e. Au 19. 12. 12. Au dodo, les enfants. Ça part. Bonne et c'est Baha la nuit. Baha. Bisous. On est marre de toi. Je vais te donner à Sora. Bonjour, vous allez bien? Non. Non, un peu dur là. Ouais, c'est de plus en plus dur là. Okay. Ce matin, je me suis réveillée à Cerny, j'avais la voix de Reda dans la tête. On est où là? On est en Égypte avec Simi. C'est vrai, j'avais oublié, putain. A tout de suite, hein, finalement. C'est très dur, les gars. Mais aujourd'hui, on était obligés. Ah, coucou, ça va? Vous avez bien dormi? On est en Égypte avec Civitati. Mais aujourd'hui, c'est les pyramides, alors on est obligé de se lever de bonne humeur. Viens, tu bouges pas, même s'il y a quelqu'un dans n'importe quelle situation, tu bouges pas. Oh putain! Are you going to the breakfast? Do you know where it is? No, you don't speak English. Okay, okay. Ah, okay, okay, thank you. Mais il a l'air de savoir ce qu'il fait. Thank you very much. Ah, okay, perfect. Je suis tombée ici par hasard. C'est énorme. Oh là là. Ah, il y en a deux. Ah, mais il y en a trois en fait. Il y en a, il y en a trois, il y en a une petite. Regardez, on voit les pyramides. Regardez. Aujourd'hui, le voyage va être plaisir. Merci. Bon bah, il n'y aura pas de son dans cette vidéo parce qu'on n'a pas de micro. Du coup, stop. Fin du vlog pour aujourd'hui. Les gars, ils nous ont retiré nos micros, je ne sais pas pourquoi. Il faut payer en plus. Il faut payer en plus? Parce qu'en fait, c'est un équipement professionnel. C'est fou. Vraiment ouais. Incroyable. Là, pour le coup. You should see the city lights tonight. I don't think they've ever burned this bright. Did you know when how everything would turn out? C'est pour me tuer ce petit bloc de terre devant nous. C'est pour me tuer cette petite chose. Deux, trois pierres. Deux, trois pierres. Les garçons, attention, arrêtez de vous bagarrer là. Qu'elle était là ce ok, viens, bien. On arrête mec, on fait la paix. Allez, c'était vite. Montez par où? Au-dessus de la pluie, là, pipi, là. Ok, vas-y, j'arrive. Là, là. Bah voilà, bah. C'est génial! T'as bouffé du sable des Égyptes pyramides. Je me suis trompée de mot, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Oui, oui. Oui, ça arrive à tout le monde. Oui, Théa. Maintenant, t'arrêtes. C'est incroyable, vas-y, je fais porte-manteau. Incroyable, Alexandre, incroyable. Là, c'est les plus belles photos d'Instagram monde. Magnifique, même sur la caméra, c'est fou. Vlog, c'est fou. Ah ouais, ouais, ouais. Je suis pas un écrivain, je suis plus qu'un esprit. Je multiplie les petits pains. Wouh, les copains. Ah, c'est profond. Ah bon? Je suis vachement claustro moi. Je suis vachement claustro. Ça va pas? En fait, faut avancer. Ça va pas? Non, 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 moi je veux bien entendre. Viens, viens, viens. Regardez-vous, hein. Ah, mais gros, c'est impressionnant. Ok, on a perdu quelqu'un. What?
Les gars, c'est impressionnant. Ah non, je peux pas faire. Ah, je me sens qu'une seule fois dans la vie dans une pyramide. Allez, viens, on affronte nos peurs. On y va tous ensemble. Allez, go. Oh putain, c'est incroyable. On y allait assis. C'est pas possible. On y allait assis, je suis morte. C'est pas possible. Non, c'est bon. J'ai peur. C'est pas bien pour la vidéo, gros. Mais comment on fait? Ah ouais, ah non, bah. On peut y aller à bout, les gars. Attends, parce que. Putain, on voit rien. Ah, moi, je peux pas aller dedans. J'ai l'impression qu'en bas, après, on peut se mettre debout. Oh, c'est magnifique. On est quasiment arrivé, franchement. On est arrivé. Debout là-bas ou pas? What is it? This side? Is it exit? Yes, it's beautiful. Mais attendez, c'est la suite, on sort ou pas? Non, je veux pas. Là, les gars. Ah, Camille est là, il est là. Ah, putain. Allez, putain, on est bêtes. C'est par où le Super U? Il est si plat, satisfaisant. Il est si plat sous terre. Il est si plat sans tas. Merci. Waouh. On est arrivé au restaurant, on va manger. Je suis super happy. C'est incroyable. C'est du pain qui sort du four là. Il a l'air incroyable le pain, je l'ai mangé. Il est bien chaud là. Dégustation de pain, attention. Oh là là. ASMR. C'est vrai, il est bon. C'est bon, il a l'air ok. C'est un 10 sur 10 comme nos vidéos. C'est pas. Qu'est-ce que vous êtes que ça? Bon appétit tout le monde. En l'air. Le pain pour Raven, c'est bah. C'est pour Raven. Transformation. En fait, on a vraiment rien. Et moi aussi. Mais si! Ah, y'a des frites en vrai! Y'a des frites pour rien! Wouh! Oh! C'est pour me tuer la petite piscine! Mais c'est pour me tuer cette petite gorgée! Flavie, t'es. Ouais, moi aussi, t'es mort! T'es une vraie star! Elle a trop de flots, Flavie! Mais oui, mais Flavie, elle a trop de flots! Le fait qu'on est les premiers alors qu'on est en retard! Mais c'est pas Juliane là-bas? Eh oh, Juliane! Elle m'a saoulé. Est-ce qu'on va aller sauter dans la piscine? Tu vas nous faire un saut? Non, sauter, je pense pas. Tu sautes, je saute. Ah ouais, je me saute. Je saute. Alors? On est bien ou pas là? On va jumper ou quoi là? Mais regardez les gars, la vue là, c'est fou! C'est incroyable. Les copains, on va se baigner. Ah, tu vas bosser à la piscine? Bah, bosser à la piscine, faut demander des serviettes. Yes, two. Maybe more, because there are two other boys that... But now, after 10 minutes. Ah, okay. Oh, we are going to share. Dans 15 minutes, donc on va... Share. Oh, okay. Share this. Ok, thank you. On va se faire foutre. Ouais, parce que j'ai dit cher. Bien sûr. Bon, t'as fait la démarche de venir, donc t'en mérites. Oh, t'es la boss. Mais tu sais quoi? Je t'ai toujours préféré à Fabien. Oui. T'as toujours été ma préférée. Mais putain, mais tout le monde me dit ça. Mais ça, maintenant, je comprends pourquoi, tu vois. Mais si, allez, Fabito. Allez. Wouh. Mais elle est bonne. On y va. Ouais. T'as fini dans la piscine, ou... TTA, putain. Allez, on va tous lancer un petit cours d'aquagym. Montez de genoux. Allez, ça fera pas de mal. Montez de genoux, allez. Okay. Et une, et deux, et trois, et quatre. Tu pars super fort. Ok, montez de genoux.
Moi je me. Tiens, je me dédouane de tout. Tiens, je me dédouane. Voilà. Je me dédouane de tout. Ok, on continue les bras, on continue. Ah oui, c'est vrai, dans l'eau. On tourne. Dans l'autre sens. Avec les montées de genoux, très bonne idée. C'est fini le cours. J'espère que vous avez apprécié. C'était génial. Ah bah c'était un incroyable. Cours. C'est pas possible. Arrête. Ah oui, tu mesures combien? 1,60. C'est à peu près, j'ai l'impression. Bah c'est prêt, meuf. Hein. Ouais. Mais du coup, ouais, Maxime, j'ai percé le mystère. Qu'est-ce qu'il y a? Les petites crottes de la vie. C'est quoi? C'est des gens qui ont mis la tasse. Quoi, c'est quoi? Du coup, on a une équipe d'activité assis. Ah, c'est la tienne. Merde. Ah non, non, je me suis trompé. C'est pas la mienne. On va où le jacuzzi? Allez, c'est jacuzzi. Demain, on part à 5h. En vrai, là, on a à peu près shot, on va pouvoir bien se reposer ce soir. C'est tranquille. Tu peux aérer vite fait, j'entends pas. Juste pour aérer là. Attends pour nous tuer. Je peux pas croire que c'est vrai. Je peux pas croire que c'est possible. Ah, si, c'est vrai. Que la veille de notre départ, demain on se lève à 5h. Il y a un fucking mariage en bas de notre chambre d'hôtel qui écoute de la musique à fond. Qui écoute de la musique à fond. Comment est-ce qu'on dort? C'est pour nous tuer. Non mais là vraiment j'ai l'impression que t'es un peu sur les nerfs. Non, j'ai l'impression que t'es un peu sur les nerfs. En fait, alors, j'ai l'impression croire. Que t'es tendu. Je ne peux pas croire. En fait là. Bah mais attends. Si tu peux croire, regarde. C'est un enfer, mais sortez-moi de là. Je vais me faire coiffer par Yoann. C'est pas possible pour moi que quand je revienne ici, que je fais ma valise, que je vais m'allonger dans mon lit. Je ne me lasse pas de cette blague. Je vais me lasser très vite. Mais comment ils peuvent louer cet endroit pour faire des mariages jusqu'à 4h du matin devant un putain d'hôtel? Comment? En vrai, c'est abusé. En vrai, de vrai. Évidemment, il y a que des gens qui dorment. C'est drôle quand t'as des gens qui ont payé 1000 balles. Ils veulent se reposer, sont en vacances. Et t'as ça. Mais t'es bon, me tuer ce cri! Tu payes cher et tout, t'arrives là, et la nuit tu dors avec ça! Non! Touche le lit, on sent les vibrations du pain. Mais comment vous rigolez de la situation? Parce qu'on n'est pas encore recouché. Je refuse de croire ça. Je vais me faire coiffer. Tu veux pas croire ça? Non. Attends, parce que attends, tu refuses d'y croire. Moi, c'est pour toi que je le fais. Voilà. C'est bon, t'y crois là? Elle y croit plus. Bon, Yoann, il a un salon de coiffure. Donc, l'idée, c'est qu'il va me couper mes mèches. Fab, petit dégradé. Ouais, j'ai fait dégradé, Yoann, il m'a fait dégradé. Petit dégradé, hein. Dégradé. Attends, hop, pour voilà. Le Fab. Bon, merci Yoann. T'es sûr c'est là? Non. Yoann, ref. C'est ici le salon de coiffure? C'est ici. En tout cas, j'espère que vous kiffez le mariage. Hein. Putain, même pas du tout. Moi je suis dans l'ambiance mariage, je vais. Putain, t'as la faute de faire le feu. Mais non, on essaye de s'infiltrer incognito. Incroyable! Il y a un frère, il y a un décalage, sinon c'est fou.
Mais regarde là, ils sont en train de partir, je crois. Mais le vent va les faire partir. Regarde les regarde les... Non mais regarde les nappes. Les nappes restez situation. Non mais en vrai un mariage où le soir tu manges dehors, c'est un parti pris de fou malade. C'est-à-dire à tout moment, bah ça fait ça quoi. Tout le monde se barre. C'est ça qu'à l'intérieur. Et à tout moment, il y a des gens dans un hôtel genre qui vont aller lancer des œufs sur leur gueule. C'est-à-dire c'est bizarre, j'en ai dans ma valise comme non. Par hasard. Ah, vas-y. Franchement, passe-les-moi. Non mais c'est pas nous. Ah oh, bah c'est top. En l'air le salon. Oh, yeah. Ma petite Théa, donc déjà je vois une jolie coloration, vraiment absolument magnifique, naturelle, une belle masse. J'adore. Dans un vrai salon. Ah mais bien sûr, en fait je suis un vrai coiffeur. Ah oui, non mais toi je sais, mais là on n'est pas vraiment dans un vrai salon. Non, on est dans des chiottes. Clairement on est dans des chiottes. Est-ce que cette frange tu la coiffes? Je me fais ça. Ouais. Très bien. Et du coup ça me fait un peu ça, mais ça tient pas trop. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, je pense que c'est bon. Je veux que la prochaine fois que tu te coiffes, tu m'envoies un petit message. Yo. Petite vidéo. Bah merci beaucoup. Merci à toi, petite Théa, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. À demain, les gars, 5h. Hein. Tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, ouais, tout à l'heure. Ouais, ouais. Non, c'est rejoint, c'est pareil. Fab. Tu veux couper? Bah, en tout cas, c'est cool que ce se soit arrêté depuis que je suis rentrée. Non, je crois que c'est pas... Je crois que c'est pas arrêté, c'est... Enfin, attends, parce que notre nuit, c'était plutôt... Enfin bon, on a dormi. Enfin non, mais... Je vais clumser. Là, ça y est, c'est bon, je vais clumser. Bah, t'es là. J'ai hâte de manger le petit déj du resto. Ah bah non. Mais je vais crever là. Mais ça y est, mais là c'est la fin de... Mais là c'est vraiment je vais crever. Mais c'est pour me tuer. Oui. Ouais, les affaires du matin. Tout pour le vlog là, faut jamais arrêter un vlog. Pas sûr, t'as chaud. Faire du contenu et tout. Non. Vas-y, genre là je vais carrément me changer devant la cam et tout. Franchement, non, je pense que c'est vraiment le truc à faire. Faire du bon contenu et que les gens soient contents de moi, tu vois. Non, t'es vraiment pas que tu mets toute nuit devant la cam. Tu penses pas? Oh le temps. Ah je peux plus me s'inquiéter avec de mort. Fils de pute, fils de pute. Coucou les loulous. Je sais, je vais quoi, je vois ça comme une agression. Et Kayate, il est tôt. Chaussettes. Ah oui. Madame, on part dans 10 minutes. Vous êtes encore obligé. Et choukran. Ça vaut le goût alors qu'on n'a pas le temps. Bon bah là je crois que c'est l'heure du départ. Mais là du grand départ, c'est à dire qu'on part de cet hôtel. Mais genre on part vraiment on part. J'ai pété au fond de la chambre. Super triste hein. Au revoir ma chambre. Est-ce que votre valise n'est pas plus lourde qu'à la... Mais si, ah, mais je sais pas pourquoi. C'est parce que moi j'ai acheté un petit magnet et je me dis peut-être. On va visiter quel temple aujourd'hui? Le temple de chez moi. Le temple de l'aéroport. Allez, on sort, on sort, on sort. Valise épisode 370 sur 96. Et le problème c'est que personne de notre groupe n'a sa valise. On est tous en sueur là. Yes Johan, tu redonnes espoir à tout le monde. Je pense que let's go. Vous allez les avoir. C'est pour me tuer ce trajet. On est debout depuis 4 heures par rapport à ici. Il n'y a pas de la lumière à tous les étages. J'ai une brillante idée. Oh. C'est pour me tuer, ce petit mommy. Ah, c'est une valise. Fab, on descend pas là. Fab. Non. Oh. C'est sur ces belles images que on va tous vous dire au revoir. C'est officiellement la fin
de nos aventures en Égypte. J'espère avoir réussi à vous faire voyager un petit peu avec nous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know.